Merde, encore ces enfoirés. Il était temps. Je l'ai. Savi, j'ai la carte d'accès. Super. Va au poste électrique. Il est à côté de l'antenne, à l'intérieur de la clôture. Sers-toi de la carte pour rentrer. Thank you.
C'est bon, Savi. Ok, super. Branche le transformateur. Ok. Génial. Maintenant, trouve le panneau de contrôle au pied de l'antenne et allume-le. En haut de l'antenne et installe l'ampli. Toutes les radios dans un rayon de 100 mètres vont gonfler le signal. Ouais, monte en haut, tranquille. Merde, j'ai bien lâché. Mais je mérite pas ça, bordel!
Crane, mets la bonne fréquence sur ta radio quand tu installes l'ampli. Ouais, pigé. Logique, il s'arrête de flotter pile quand j'arrive en haut. Je m'adresse à tous ceux qui écoutent. Je m'appelle Kyle Crane, et j'envoie ce message depuis la zone de quarantaine d'Aran. Le colonel Tanner et le ministère de la Défense vous ont menti. Il reste des survivants à l'intérieur. Ils comptent bombarder Aran. Mais si ça se produit, vous saurez que Tanner et ceux du ministère sont des meurtriers. Merde, il y a survivants dans la zone de quarantaine. Hé, vous me recevez ? Vous recevez ? Ici ! De merde. C'était moi une. Crane, c'est vous ? Vous me recevez ? Qu'est-ce que vous voulez ? On veut vous donner une chance de quitter cet endroit infernal. Ah ouais ? Et pourquoi ça ? J'ai pas trouvé qui avait votre précieux dossier. Vous avez même pas à me payer le reste de mon contrat. On oublie tout ça, Kyle. Il faut savoir tourner la page à présent. Il suffit que vous nous apportiez les notes du docteur Zéré, et nous vous enverrons un bel hélico pour vous sortir de là. Vous savez que je sais ce qu'il y avait dans ce dossier. Vous vouliez exploiter ce virus. Crane. Mais oui, il vous faut un vaccin pour l'opinion publique. C'est votre seule voie de sortie. Essayez de convaincre tout le monde que vous cherchiez un vaccin depuis le début. Arrêtez de raconter n'importe quoi, Crane. Apportez-nous les notes et tout sera réglé. Vous voulez les notes ? Alors attendez mon signal. Savi, tu m'entends ? L'ampli est installé. Génial, Crane ! Redescends en tyrolienne. Le tunnel en question se trouvera près de l'endroit où tu atterriras. Merde ! Non, non, non !
C'est un plan sans accroc. Un message vers l'extérieur, pile au bon moment. Les bombardiers du ministère ont survolé la ville avant de repartir. C'est à ce moment que le GR m'a contacté. Ils veulent que je récupère les notes de Zéré et que je les leur donne afin de persuader la population qu'ils travaillaient sur un vaccin et ne tentaient pas de s'en mettre plein les poches. Ils allaient se faire foutre. J'ai autre chose en tête. Docteur Camden, ici Kyle Crane. Vous me recevez ? Je vous reçois. Vous voulez qu'on se voit ? Apportez-moi les échantillons et je continuerai mes recherches. C'est exactement ce que je comptais faire, Doc. N'oubliez pas que je suis coincé au milieu d'un bon millier de zombies. Affirmatif. Je serai bientôt là. Pas de problème. Je ne compte pas bouger.
C'est moi, je m'appelle Crane. Prenez l'ascenseur et appuyez sur le bouton du rez-de-chaussée. Compris. Avec les recherches de Zéré, le docteur Camden a de grandes chances de développer un vaccin. La mort du docteur Zéré m'a attristé. Nous étions si contents de pouvoir étudier le virus d'Aran. Sans oublier que le GRE nous payait bien. Au fait, nous sommes sur le générateur de secours. Pour ma dernière expérience. Les générateurs ont chauffé et... à voix haute. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu l'occasion de parler à un être humain en vrai. Ne peut être ouverte que manuellement. Vous devrez la débloquer depuis la salle de surveillance. J'y vais. Yeah.
Parfait. Maintenant, empruntez le couloir principal. Le labo est sur la gauche. Quand l'épidémie a éclaté, Serré et moi sommes restés dans la zone de quarantaine pour travailler. Nous devions être protégés par Kadir Suleiman. Aïe. Tu parles d'un plan imparable. D'entrer dans le labo et par la salle de décontamination. L'entrée est sur la droite. Tout est parti en vrille à la mort du frère de Rice. D'un type avec de simples tendances psychopathes, Rice s'est transformé en véritable monstre. Pour déverrouiller les portes. Ce n'est possible qu'à pleine puissance. C'est là que les générateurs vont nous servir. Allez vers les bureaux. Une fois sur place, je vous dirai quoi faire. Très bien, je m'en charge. Serré et moi avons pu rester en vie grâce à un agent du GRE. Un type comme vous. L'agent qui nous a aidés était censé repartir en même temps que nous. Mais vous vous doutez du résultat puisque Serré et moi sommes restés bloqués ici. Faites très attention. Comme je n'avais aucune raison d'aller dans ce coin du bâtiment, je n'ai jamais fait la chasse aux infectés. J'ai été séparé des deux autres, mais j'ai réussi à me réfugier ici, dans cette clinique. Ma seule option était de trouver un vaccin. Attention, j'ouvre la porte. Par les conduits de ventilation. Ces conduits mènent à la réserve. De la couloir et attendre le hall, puis les générateurs. Thank you.
revenez à la salle de décontamination. Vous savez, je crois que même si Zéré avait pu sortir de la zone de quarantaine, il serait resté. L'agent et lui se sentaient obligés de rester pour aider les gens. Appuyez sur le bouton près de la porte pour démarrer. Ravi de vous serrer la main. Et maintenant, montrez-moi ces échantillons, s'il vous plaît. Doc, je peux vous montrer une photo ? Non. Attendez. Ça tourner, ça va prendre un peu de temps. Donc, qu'est-ce que vous vouliez me dire, Crane ? Hé ! C'est lui ! C'est l'agent du GRE dont je vous parlais. Oh, comment il s'appelait déjà ? Amir. Oui, oui ! Amir Goreshi. Que faites-vous avec cette photo ? Nous avions une amie commune. Les échantillons sont encore bons. Parfait. Avec un peu de chance, vous n'aurez pas fait tout ça pour rien. À ce propos, où est le reste ? Je sais que Zéré avait préparé deux paquets. On en reparle dans pas longtemps. Pour l'instant, je dois m'occuper de ces enfoirés du GRE. Du GRE ? Crane, faites gaffe avec ces gens-là. Tout n'est que faux semblant. Au fond, ce sont des salauds sans cœur, des menteurs et prêts à tout. Je sais, Camden, et merci. Je vous recontacte.
j'ai vu Camden. Il a étudié les échantillons de tissu du docteur Zéré et a assuré qu'il serait possible de trouver un vaccin s'il avait les notes de Zéré, celles que Rice a en sa possession. Étant donné que je ne sais pas où Rice se cache, je ferais mieux de discuter avec ces enfoirés du GRE pour voir si on arrive à quelque chose. Crane, je préfère assister. Vous avez intérêt à vous couvrir de tous les côtés avec ces enfoirés du GRE. Ils n'hésiteront pas à vous enfler s'ils peuvent. Je sais, je vais faire gaffe. Je veux simplement comprendre ce qu'il en est.